Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, on se reprend cette dernière fois, ça veut dire la capture de la ville de Constantinople et la suite de nos conquêtes dans le monde. Hein. Et après avoir recherché un peu, j'ai découvert qu'il faut être empereur de l'Empire byzantin pour avoir une chance de reconstruire le bordel. En gros, pour dire... J'en ai encore du pain sur la planche pour arriver au... Pour arriver au bout, hein. Donc, d'ici là, on a du chemin, hein. Voilà. De suite, on rentre dans le vif du sujet. Donc, vu que je dois devenir empereur de l'Empire byzantin, donc, faut que je contrôle... 80% du territoire de l'Empire byzantin. Quelques guerres sont, je pense, nécessaires pour arriver à ce point-là. Hein, je ne vais pas dire lesquelles, étant donné que voilà. Mais je pense que vous avez déjà compris. Hein. Donc voilà. Mon chancelier, oui, on va l'appeler comme ça, va m'être très utile. Parce que son but, ça va être en fait de m'aider à récupérer un peu des duchés. Voilà. Faut dire ce qui est. Et je ne sais pas par où commencer. Bon, je peux déjà récupérer ça du fait que j'ai déjà le duché d'Athènes. Donc voilà. Mais il faut que je puisse faire plus. Parce que je vous montre à quoi ressemble l'Empire byzantin. Voilà. Donc ouais, je... Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, je pourrais prendre à coup de guerre sainte tout ceci. Hein, faut dire ce qui est. Ça, ouais, on peut faire... À coup de guerre sainte, je récupérerai là. Puis après, il y a le gros morceau là. Où je dois fabriquer des revendications. Et des petits morceaux, par exemple, là. Ça va être complexe, mais je sens que nous allons y arriver ensemble. Hein. Comté de Thessalonique. Il n'y a pas un duché ici. Duché de Thessalonique. Si. Ou le deuxième moyen, ça serait qu'on m'élise héritier. Honnêtement, vu comme il m'aime bien, je doute. je dis honnêtement, je doute que ce soit très facile vu comme il m'aime. Donc, on va voir comment on va se faire ce coup-là. On va voir. Ah bon. On fiche la série. Damas. Moi aussi. Makouri, Alep. Ah oui, j'ai encore des trucs à récupérer là au bon. Bref. On reprend. Ouais, on va pas on va pas parler de ça pendant une heure et pendant 100 000 ans. Hein. On va faire ce qu'il faut, on va faire le nécessaire. Hein. Donc voilà. Déjà, la première chose à faire. C'est pas lever une armée. C'est aider mon cher roi d'Angleterre, mon cher fiston qui est devenu roi d'Angleterre. Parce qu'il est en train de se prendre sa fessée, hein, sa correction. Tout ce que vous voulez. Hein. Il est en train de se faire massacrer, décapiter, tout ce que vous voulez. Et nous devons donc aller le soutenir. Bon, honnêtement, ça va être tendu. Enfin, tendu. Une fois armée à exploser, c'est bon, c'est gagné. Mais bon, faut y arriver. Mais bon, ça c'est un détail. Je peux créer le duché de Tunisie. Très bien. Accorder duché de Tunisie.
Donc on va faire deux choses en fait, c'est que je vais déjà préparer en fait les territoires qu'il me faudra ultérieurement pour créer, plutôt pour reformer, réinstituer l'autorité de l'Empire romain. C'est plus ça, c'est plus une restauration qu'autre chose, hein. Quoi, j'ai un hérétique de mes conseillers? Oui. Oui, hérétique. Lui, mauvaise personne. Lui, pas vouloir conversion religieuse, ben lui, dégagé de mon conseil. C'est moi, pareil, bizarrement, mais c'est ça. Il est très important d'éviter d'avoir un hérétique. Faites attention à ça. Je fais jamais attention et à chaque fois, je me fais avoir comme ça. Bon, c'est pas grave, c'est que 10 points sur une personne. Y a pas mort d'homme. Mais bon, je me suis fait quand même avoir un peu de... C'est vrai qu'il est bon chancelier aussi. Bon alors. Ce que nous avons à faire, c'est débarquer l'armée ici, que j'aille neutraliser ça. Bûcher de Béja, je pourrais faire une guerre. Parce qu'une fois que ceci sera neutralisé, il aura plus l'avantage de gagner par exemple la moins 25% qu'il a parce qu'il contrôle la région. C'est le truc prioritaire. Comme ça, déjà moins, j'aurai un peu. J'aurai plus la pression du temps en fait de devoir faire ça vite, de devoir faire ça rapidement. Ouais, c'est. Par contre, ça, il y a des ralentissements, je m'en excuse. Comme toujours, je ne peux rien pour corriger ces ralentissements, rien du tout. Et c'est horrible. Et c'est horrible ces ralentissements. Ouais, je vais accorder deux comtés de plus. C'est. Voilà, c'est bon, on n'a plus les ralentissements. Donc nous allons ici, nous prenons notre expert en siège, étant donné que voilà, on a. Toi, je te botte le cul. Voilà. Prenons, on repart là. J'aime bien moi les déclarations de guerre comme ça. Ah, je te déclare la guerre. Je vous rappelle de mémoire que j'ai quand même la première armée occidentale, on peut même dire la première armée du jeu. Le gars qui a quasiment pas de troupes ose venir et me dire « Oh, je déclare la guerre !» Ça doit être un fou dans sa tête, je pense. D'ailleurs, il revendique quoi? Votre fille, bon. Pas capable de trouver quelqu'un pour se marier. C'est où ça? Écossais. Un duché de Crète, tiens. T'es héritier du duché de Crète, attends. Oh, t'as même... Oh, mais c'est bon. Hop. Enlever un mariage, au pire matrimonial. Non, matrimonial ne voudra pas. C'est qui va se marier? C'est toujours aussi chiant. Oh, prince de Galice. Bon. Donc, d'où de Crète. Voilà, ça. Je pourrais peut-être proposer après une vassalisation, hein, donc à voir, à voir. C'est vraiment un truc stratégique. Ça m'étonnerait que ça marche, hein. Je vais être honnête avec vous, ça m'étonnerait que ça marche. Hein.
Mais bon, on va tenter, si jamais ça marche, j'ai envie de dire, c'est tant mieux, et pipi pourra. Ça marche pas, tant pis. Tant pis, on aura essayé, on aura fait de notre mieux. Ah, ça arrive. Bon, c'est pas ça, mais nous avons aussi levé plus de troupes. Pas levé plus de bateaux, mais levé plus de troupes. Et je commence à avoir marre de les rébellions. Mais ça, vous savez, j'en ai marre en fait. Quand vous avez un grand empire, ce que je déteste dans ce jeu-là, c'est quand vous avez des rébellions qui éclatent un peu de partout. Hein. Ah, mais ça, ça me... Ça montre que les personnes que vous avez sont incapables de s'en occuper en fait. Les rébellions. Bon, maintenant, on peut attendre. On a le temps. Ah, parce que je suis désolé. Génial. Rébellion, rébellion, rébellion. Ah oui, je peux toujours pas déclarer la guerre. J'espère qu'honnêtement, lui a beaucoup de troupes pour se refaire après. D'ailleurs, il y a quoi en vrai? Trésorerie? Pff, y a rien. Ah voilà, génial! Une nouvelle revendication, suivante. Hop, ici. Oh, mais parfait. Tout ça continue comme ça, moi je veux dire, tout ira bien. Hein. Donc voilà, ceci ça va. Première revendication fabriquée. La révolte d'Écosse c'est un peu cessé. Mince. Bon, tant pis. On va fusionner les deux. Les deux armées sont réunies. Vous constatez aussi que je lève plus de troupes pour rébellion parce que voilà, je vais laisser maintenant mes alliés s'occuper des rébellions. Hein. Mes vassaux, normalement ils en sont largement capables. Donc, voilà. Normalement j'aurais même pas à intervenir dedans, mais bon, vu comme ils sont extrêmement doués. Et qu'on connaît vraiment bien leurs facultés. Hein. Le meilleur temps, je crois, de le faire soi-même. Mettons de mettre l'Ève au milieu. Ralentissement, je suis désolé. Je fais de mon mieux pour que vous ayez moins de ralentissement, mais quand il y a des mises à jour qui sont mal faites, je peux rien faire contre. Je pourrais acheter un PC, mais bon, j'ai pas argent à mettre dans un nouveau PC. Hein. Mon PC est largement capable de filmer, largement capable de faire des vidéos de bonne qualité. J'ai beau avoir un processeur, ouais, c'est un quad-core 267 GHz par cœur.
C'est pas un mauvais PC en soi, la preuve c'est que j'ai une bonne carte graphique derrière, j'ai une GTX 560 Ti de 2020, 2024, de 2 Go. Donc derrière j'ai vraiment du bon matériel derrière, donc j'ai un bon ordi. La preuve, j'arrive même à faire tourner Battlefield 4 en ultra, sans aucun ralentissement en multi, je précise. J'arrive à faire tourner Rome 2 Total War très bien, avec fluidité, bon, voilà, pas à fond par contre, parce qu'il est un peu mal optimisé, Rome 2, mais bon, quand je dis à fond sur Battlefield 4, c'est quand même un petit crénelage poussé au max, hein. Oui, je précise, parce que certaines personnes, quand ils disent que je mets un jeu à fond, ils croient que c'est uniquement les qualités. Non, non, je mets un jeu à fond, je mets tout ça. Mais heureusement, je peux pas vous le filmer. Et oui, malheureusement, ça arrive. Voilà. Non, oui, t'as gagné. Ne faites jamais ce que je viens de faire, retirez vos troupes chez vous, ça évitera que la moitié doivent se reformer. Mais bon, j'ai pas de temps à perdre, moi. Ouais, j'ai vraiment un très bon ordi, mais bon, quand on a des mises à jour qui, faut le dire, passent pas. Bon ordi ou pas, ça ne change rien. Et quand je dis rien, ça ne change vraiment absolument rien. C'est. Voilà, c'est. C'est dommage, j'ai envie de dire. Parce que moi je pense pas que vous pouvez profiter. Moi quand je regarde une vidéo, je vais être honnête, je déteste quand j'ai des ralentissements dans la vidéo. Ah ça je hais. Pourquoi? Parce que j'aime bien quand c'est fluide, voilà, le jeu sur. Voilà, on peut bien suivre les mouvements, tout ça, mais quand un jeu lag, ah. C'est. Voilà, c'est juste que moi j'aime pas que ce soit comme ça, et sachant que j'aime pas ça, j'ai pas envie aussi que vous, quand je fais une vidéo, que vous ayez le même problème. Que je fasse les mêmes erreurs. Et quand avant, on savait bien. Ah oui, parce qu'il faut revenir avant. Quand avant tout ça, on avait exactement les mêmes configurations et qu'on n'avait pas de ralentissement. C'était génial. C'était le bon vieux temps. Ah bon, plus sérieusement, on va revenir au sujet sérieux. Pour vous dire, y a une personne, en fait, je pense à ça parce que je vous le dis, il y a des personnes qui. Surtout une qui me vient en tête, bon, je vais pas citer son nom, qui m'a mis. Tu pourrais changer de PC pour éviter ralentissement. J'ai envie de dire à cette personne, elle me donne 750 euros. Je change de PC. C'est pas le problème. Mais voilà, elle me donne l'argent. Mon dernier investissement remonte il y a un an et demi même. Ça remonte en juin 2012. Voilà. En juin 2012 était mon dernier achat sur mon ordi. C'était la GTX 560 Ti version 2 Go. Et elle m'a coûté cher. Donc voilà, j'ai investi dans du bon matériel, hein. Bon, je sais que ma carte mère et mon processeur ont un peu de mal. C'est pour ça. Mais je suis désolé, on peut pas dire que j'ai un PC pourri. Mon PC arrive bien à tourner. La majorité des jeux que je joue, je les fais tourner en ultra, en solo, sans aucun problème. En multi aussi, je les fais tourner en ultra. Donc non, le fait qu'on me dise, ah, ça vient de ton PC, il faut que je change, je suis désolé. Plutôt, je suis navré pour les personnes, ça plaise pas. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vous rappelle qu'on fait ça quand on filme. Et je dis bien on, parce qu'il n'y a pas que moi qui filmons. Voilà. On fait ça par plaisir. Voilà. On adore faire les vidéos qu'on fait, c'est vraiment par plaisir qu'on vous les fait. On fait des vidéos parce qu'on aime faire des vidéos. C'est peut-être bête ce que je dis. C'est à mon avis. C'est quelque chose d'extrêmement bête ce que je dis. Mais c'est pour ça qu'on fait des vidéos. Sinon, croyez-vous vraiment qu'on continuera à faire des vidéos? C'est pas parce qu'on aime faire de. Aime être avec vous, partager notre passion. Voilà. Mais il faut aussi comprendre que derrière, vu qu'on fait ça par passion, voilà.
Après, il y en a qui arrivent à en vivre, je vais me dire, c'est très bien pour eux. Moi, je vais pouvoir en vivre, moi, j'en serais content. Je vais pas en nier. Pouvoir vivre de ma passion, ça serait génial. Mais j'ai pas envie pour autant devoir vous obliger à payer pour que vous puissiez continuer à suivre ce que je fais. Vous voyez, j'aimerais que ma passion me fasse vivre, parce que j'aime vraiment faire des vidéos, mais je veux pas que pour autant que ça soit une charge pour vous. Pour vous, ça doit toujours être un moyen de distraction, un moyen d'amusement, un moyen de vous évader, voilà. Un moyen d'évasion pour vous. Voilà. Voilà comment moi je vois le fait quand on fait des vidéos. Et je pense que vous pourrez demander à beaucoup de personnes qui filment, beaucoup de personnes qui en font. La grande majorité des personnes vous diront ça. Les personnes qui vous diront c'est pour l'argent, j'ai envie de dire, ça ne me donne pas envie d'aller voir leurs vidéos. Parce que je pense qu'une vidéo, ça doit toujours être à tout le monde. On fait ça par plaisir et que tout le monde puisse y accéder sans payer. Je précise bien sans payer parce que il y a des personnes qui vont faire payer. C'est pour ça que je précise. Hein. C'est pour ça que je précise. Regarde, je prends un exemple tout simple. Si je vous fais, par exemple, pour que les personnes me suivent, je fais payer 1 euro, même 1 euro symbolique. Vous croyez vraiment que vous allez me suivre? Certains vont me dire oui parce qu'on te connaît, mais quand vous n'êtes pas connu, c'est totalement... Allez, je vais te sortir un mot que j'ai pas envie de sortir, je ne trouve pas d'équivalent. Débile de faire ça parce que ça sert totalement à rien. Voilà, c'est dit. Mais à quoi bon faire des vidéos si les personnes continuent à penser que c'est uniquement pour nous enrichir? Voilà. C'est pour ça que vous constatez aussi que j'ai enlevé le fait de monétiser mes vidéos. Pour une simple et bonne raison, si je gagne rien, je suis honnête, la monétisation me rapporte rien, parce que si je veux être monétisé, j'aurais besoin de donner mes droits que j'ai sur mes vidéos, les offres données à YouTube, donc c'est-à-dire à Google. Ça veut dire que mon travail que je m'empresse à faire, que je me donne à fond pour produire, quand même, voilà, ne m'appartiendrait plus, mais appartiendrait à une société. Et en échange d'un droit de rémunérer. Je rajoute, qui plus est, que dans des clauses qui sont écrites dedans, c'est précisé que si vous faites tel, il ne vous est interdit de produire une vidéo avec un jeu vidéo et demander une rémunération. Ça veut dire qu'on a énormément de personnes à faire ça. On a le droit d'être rémunéré, en fait, c'est grâce aux personnes. Voilà, par exemple, je prends par exemple des personnes qui filment sur des Totawa, par exemple, voilà. Alors, je vais prendre l'exemple de Yvette 40. Il suffit qu'il y aurait par exemple Sega et The Creative Assembly qui acceptent qu'ils fassent de la pub pour eux. Vous voyez, voilà, ils filment ce jeu. Voilà, ils refont. Il y a un papier. Ils fournissent ce papier, vous à chaque fois que vous utilisez la vidéo, vous mettez ça dedans. Ils accepteront. Et votre vidéo sera monétisée, on a le droit de toucher de plus. Voilà. Voilà, c'est. Bon, pas de plus, mais. Voilà. Vous pouvez être monétisé, mais il faut un contrat derrière. Et le problème, quand dans mon cas où je suis, c'est que je veux continuer à vous faire des vidéos, je cherche des partenaires, tout ça. Mais j'ai pas envie, en fait, de... J'ai pas, en fait, envie de monétiser de la manière traditionnelle. Se dire, voilà, on passe comme ça. Moi, si j'ai un contrat avec quelqu'un, la manière que je vais monétiser est un peu spéciale. C'est que je referai une introduction, une conclusion, en partenariat avec eux, bien évidemment, de quel je citerai personne. Voilà, par exemple, je suis sponsorisé par machin, voilà, par exemple. Je sais pas, je vais pas donner de nom de marque. Ouais, je vous ai déjà donné une autre marque de jeu, c'est bon. Donc, voilà, par exemple, allez, on va dire, voilà, vu qu'on a déjà cité, voilà, Electronic Arts, ou EA, ou Ubisoft, voilà, ou THQ n'existe plus, mais bon, voilà, voilà, quelqu'un qui soutient bien. Hein. Voilà, tu m'es sponsorisé par, moi j'ai envie de dire, c'est exactement pareil.
Parce que vous faites de la pub pour la personne, en contrepartie, voilà, vous... Mais bon, le problème est plus souvent avec les petits contrats, justement, c'est pour ça que j'y reviens. On vous dit, voilà, vous avez le droit de faire notre jeu, tout ça, vous avez le droit de monétiser. Par contre, vous... le plus souvent, c'est justement pour ça que j'y reviens, vous ne pouvez pas dire de mal du jeu. Alors, si je suis obligé, par exemple, là, je serais payé, par exemple, pour le jeu, là, c'est pas... Je sais plus le studio qui s'en occupe. C'est-à-dire, j'aurais pas le droit de dire, ah, le jeu a des ralentissements. Or que c'est le cas. C'est ça, en fait, que je reproche dans ma manière de monétiser par YouTube, hein. Je dis par YouTube parce que, voilà, sur d'autres sites, c'est différent. C'est que, voilà, c'est pas, en fait, le problème de YouTube, la monétisation, c'est le problème aussi des sociétés, parce qu'elles veulent pas perdre d'argent. Faut que vous compreniez ça. Avec derrière, c'est quand même, voilà, c'est quand même, ils veulent pas quand même perdre tout dessus. Donc pour ça, ils passent un peu par des moyens détournés. Bon, pas vraiment par des moyens détournés dans le sens illégaux plutôt, des moyens illégaux. Oui. Non, ils font ça de manière totalement légale, mais pas de la manière que nous on le conçoit. Nous, quand on est youtubeur ou motion maker ou quel que soit le site où on fait des vidéos, on fait ça, il y a des personnes qui font ça pour les vues. Quand on est vraiment passionné par notre passion du jeu vidéo, quand on veut uniquement faire partager cette passion-là, ben, on demande rien en retour. Demande rien. Je pense que vous comprenez. Ça fait un moment que j'en parle. Voilà. Tout ce qu'on fait, c'est pour vous, c'est totalement gratuit. À des personnes qui osent faire payer ça à des gens. Toi, par contre, t'es mort. Ah non, c'est bon, c'est deux rois différents, c'est pas le problème. Donc voilà, la vidéo sera plus longue que prévu, je m'en excuse d'avance. Mais voilà, j'ai pu dire ce que je pensais vraiment, voilà, là-dessus. Voilà, pour au final dire, monétiser les vidéos, c'est bien. Moi, si jamais je monétise, le but, c'est vraiment de faire de l'argent pour acheter du matériel. Ou me payer mes études, hein. Voilà, si j'ai du bon matériel, j'ai pas besoin de réinvestir dans un... Si j'ai du bon matériel, j'ai pas besoin de réinvestir, voilà, je payerai pas. Là-dedans. Mais voilà, au final, il faut toujours que vous disiez ça quand on est vraiment passionné. Oula. Alors j'ai été excommunié. Ça va me coûter 3000, vous allez voir. Bah, bon, je crois pas que c'est la première fois parce que j'en viens sur ce sujet-là. Bon, je voulais quand même y revenir parce que voilà, il y a certains commentaires... C'est pas le problème, en fait, qu'on me dise, ouais, faudrait bien que tu investisses dans du matériel. Non, c'est pas ça le problème. C'est la manière que les personnes te disent ça comme si tu devais le faire à tous les coups. On peut pas, voilà. On peut pas, des fois on peut pas, voilà. Tout simplement, on peut pas. Voilà, c'est... Ça coûte cher, voilà, c'est... Mine de rien, c'est... On fait ça par plaisir, on prend beaucoup de temps pour vous. Oui, parce que... Je dis bien vous, parce que... C'est uniquement pour vous qu'on fait des vidéos. Rappelez-vous bien de ça. Quand on fait des vidéos, c'est parce qu'on vous aime. Pas qu'on vous aime. Parce qu'on vous aime, parce qu'on aime faire notre passion. Que c'est pour vous, tout ça. Et les vidéos qu'on fait, ça sera toujours pour les personnes qu'on regarde. Ça sera pas pour nous. Parce que pour nous, c'est un plaisir de faire partager. Ça sera toujours pour vous. Et tant que les personnes qui osent, bah, je vais y aller franc jeu, qui osent nous reprocher qu'on fait des choses mal, parce qu'on soutient ça, moi, honnêtement, j'en peux plus.
un peu plus dans le sens que on nous reproche des choses qui sont faux. Je pense avoir été assez clair. Enfin, vraiment ça par plaisir, voilà. Je pense que vous avez compris. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo, parce que je pense avoir assez discuté sur ce sujet, hein. Donc voilà. Alors, petit bilan là sur ces deux vidéos. Bon, on a suite à ce que vous avez développé, donc la grosse rébellion. Donc je vous invite à voir au début de la vidéo précédente pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette rébellion. On a plutôt bien repris, hein, on a pris beaucoup de terrain, on a pris de la Tunisie, une bonne partie de l'Egypte, voilà, c'est ça, c'est l'Egypte. Étendu notre emprise sur l'Asie, sur l'Arménie, voilà, même carrément on va dire l'Arménie. Et nous commençons à récupérer le trône de Byzance, et oui, le fidèle trône, en commençant par faire tomber la tête, c'est-à-dire en prenant carrément Constantinople. Ah, ça c'est beau. Pourquoi je prendrais tous ces... Bon, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je regarderai cette histoire de pourquoi je prendrai autant de titres. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre. D'être même de plus en plus nombreux à me suivre, donc voilà, j'espère que pour ceux qui me découvriront, nous passerons ensemble une agréable année 2014, hein, que vous continuerez à me suivre, hein. En tout cas pour ceux qui m'ont suivi durant les années précédentes, j'espère qu'ensemble nous continuerons, que nous irons plus loin, toujours plus loin, toujours plus haut, et ce sera déjà bien, je pense, donc voilà. En tout cas, encore une fois, merci à toutes et à tous, je vous dis, vive le jeu vidéo, à la prochaine fois, et surtout portez-vous bien durant cette nouvelle année. A ciao tout le monde, et vive le jeu vidéo.